en compagnie de Rupert Pritchard-Gordon. Bonjour Rupert. Alors quelques petits mots sur, sur Kema, comment va-t-elle? Écoutez, elle a bien pris le voyage, elle a bien voyagé, donc elle est arrivée jeudi. Fait un petit tour de la piste hier, donc tout le monde allait content, maintenant il faut voir. Elle a fait quel type de travail du coup hier? C'était juste vraiment juste pour qu'elle découvre la piste, le travail a été fait à Deauville, hein, chez Pulitzer Chypret, donc voilà. Sinon c'est juste le fait qu'elle découvre la piste, elle s'étire un petit peu, fait la petite piste de travail léger. Elle est directe arrivée de Deauville directement? Oui, elle est arrivée direct Deauville ici jeudi, donc voilà, c'était assez facile, même très facile. Donc. Elle connaît bien les voyages en plus. Oui, elle a déjà été en Angleterre, donc voilà, ça c'est pas nouveau pour elle, non. C'est ça. Here comes the grey filly, Persuasive, who's prowling to the front, and they're being followed by Hawksmoor down the outside, Alice Springs, Now or Never, and Kema. They're racing now towards the final 150 yards, and here comes Alice Springs, from last to first, grabs them as they race up to the finish, and Alice Springs bounces back in the main run in great style. Fate, Persuasive, Kema, Now or Never, Hawksmoor, Jet Setting, Craig's Bite. On se retrouve avec Jean-Claude Rouget après la course de Kema. Kema troisième finalement dans les Matron Stakes. Qu'est-ce qui a pu pêcher selon vous? Tout le début de course. Tout le début de course. Très tendu dans sa boîte comme elle peut l'être. Après, elle rate le départ. Et là, je pense qu'il aurait fallu la laisser derrière tranquille. Tant pis. Elle avait toujours couru avec les bouchons? Elle n'a jamais couru avec les bouchons. On lui met les bouchons avant d'aller au départ. Voilà, c'est tout. Non, mais c'est... Elle n'a jamais été relaxe toute la première partie de course, donc c'est assez difficile après. Et encore, elle fait un bout pour venir finir troisième, mais voilà, il aurait fallu qu'elle soit à la limite encore plus derrière, et puis toute seule, sans avoir de chevaux à gauche, à droite, comme ça a été le cas.